Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Little Big Planet 3 sur PS4. Et donc cette fois-ci on attaque le livre 3, le lagon de Buncombe. Alors cette fois-ci je vais lancer directement en coop. Ce qu'il y a, c'est que j'espère que je vais pas louper une partie des niveaux quoi. Enfin, ça dépend qui on rejoint en fait. Ok, bah voilà, ça bug. Regardez, c'est merveilleux, hein. Putain, bon, bah je vais jouer en solo, hein. Du coup, ça m'a remis l'ancien perso. Est-ce que la modif a été prise en compte? Oui. C'est joli comme ça, non? Tout bugué. Merci. Et attendez, ça m'a reverrouillé le livre 3. Voilà. C'est super, hein. Merci de sortir des jeux tout buggés. Bon, j'ai dû me retaper à nouveau la cinématique de fin du livre 2 pour accéder au livre 3, quoi. Non mais... Le jeu est vraiment buggé, quoi. Ils incitent pas à jouer en coop, c'est vraiment dommage. Bah du coup, je vais lancer la partie en jouant seul. Ça fonctionne pas, leur truc. Jouer seul, pas le choix. Je vais réduire sa cervelle de moineau en 1000 tout petits morceaux et les piétiner un par un. Et toi, tu seras le prochain. Je vais te découdre jusqu'à la dernière maille et te tricoter en écharpe ou peut-être en chapeau. Mais qu'est-ce qui m'arrive? D'abord, on perd le cœur et maintenant je pique des crises. Je suis Becky, la grande reine du lagon de Buncombe, protectrice du cœur créatif. Que ce crétin violet nous a dérobé. Tant qu'on ne l'aura pas récupéré, je serai aussi colérique à tuffant dans un pot de confiture. D'abord, tu dois retrouver les billes perdues de Swoop. L'une est au sommet d'une grande tour. Et l'autre est dans le ventre d'un monstre terrible. Rapporte-les ici et on pourra réveiller ce vieil oiseau fainéant de Swoop. Ok, bah c'est parti. Alors apparemment, il n'y a que deux billes, là. C'est pas trois comme d'habitude. Je te tartine de confiture et que je te mange en sandwich. Non? Alors... Elle est bien énervée, la petite dame. Hein. Bon, on va essayer d'explorer un petit peu. J'espère qu'il y a une boutique. J'en ai pas trouvé dans le livre 2. À moins qu'il faut retourner dans le livre 1, mais bon, je trouve ça un peu bizarre. Oups, j'ai loupé une bulle. Hop. Alors attendez, comment on va là-haut? La bille est située au sommet de cette gigantesque tour. N'aie crainte, je t'aiderai à te hisser jusqu'à elle. Ok, on y a peut-être accès seulement avec l'oiseau là-haut, je sais pas. On verra plus tard. Oui, attends, madame. Hop. Immédiatement. Sinon, je te fourre dans une enveloppe et je te poste pour une île pleine de cochonneries. Et bah, c'est parti. La tour du faiseur de masques. Oula, il y a des pièges. Oulala. De ce côté. Ah, j'ai pas accès là-haut. Bon. Est-ce que ça, on peut pas le tirer, là, cette espèce de truc en cuir, là? Non, non, on peut pas. Ok. Ah, on peut peut-être les tuer, les espèces d'araignées, là. Elles ont une bulle. Mais pas avec ce perso, je pense que c'est plutôt avec l'oiseau. Oups, d'accord, apprendre à sauter. Hop, hop, on se dépêche. Tac. Pour trouver cette bille, tu devras emprunter les majestueuses... Boost. Marche dessus pour les récupérer. Comment ça fonctionne? Ça me botte. Sors ta sacoche avec la touche retour et sélectionne-les à l'aide du joystick gauche. Ah, mais c'était des bottes. D'accord. En utilisant tes bottes boost, tu peux réaliser des exploits. D'accord. Parce que j'avais déjà vu ce logo, je croyais que ça voulait dire qu'il fallait être en coop en fait, mais pas du tout. Bon, c'est pas grave.
Alors du coup, je peux aller tuer l'araignée. Maintenant que je peux faire des... Ah non, on peut plus passer. D'accord. Bon, faut se retaper le niveau pour tout avoir à 100%. Hop. Ah, d'accord, ça envoie dans la direction. Ok, ça envoie pas forcément en haut. Ok. Oh, attendez, bah il y avait des choses là au-dessus. Hop, mince. Hop. Voilà. De nouveaux autocollants. Merci beaucoup. Tac. Alors après, pour jouer en coop, faudrait peut-être que je requitte le monde, que je retourne dans mon pod. Et que je relance une partie, ouais. Ça devrait marcher en théorie. Vu que maintenant j'ai sauvegardé ma progression dans ce monde. Mais c'est vraiment mal foutu, quoi. Le coop, c'est un peu, ouais, l'un des intérêts principaux du jeu, quoi. Toi, là, tu vas arrêter de nous enquiquiner. Merci. Hop, bah finalement, pas besoin de recommencer, hein. Tac. Ensuite... Ah oui, du coup, on peut passer par ce côté, ok. Il recharge tes bot boost dès que tu le touches. Utilise les réactivateurs de boost pour utiliser plusieurs fois tes bot boost. Ok. Bon, j'avais compris, hein. Hop. Et hop. Mais du coup, il y a moyen de monter un peu plus, non? Ah! Mignon. Ah, j'arrive pas à accéder à ce côté. Il y a bien un truc, là. Ah, on y est presque, hein. Ah, il veut pas y aller. Petit sac boy. Fais-moi pas chier. Il veut pas. Eh ben tant pis, on fera 100. Peut-être que d'ici ça marche un peu mieux. Ah oui, non mais j'y étais. Oh là là. Bon, arrête de nous faire caguer. Hi. Ah bah voilà quand même. Tac, tout ça pour récupérer 3 pauvres bulles. Hop là, voilà, c'est fait. Ok, ensuite. Tac, oulala, j'ai cru que j'allais tomber. Hop. Oula, oula, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Nickel. Ah, c'est pas évident de partir droit, en fait. Hein. Parce qu'on a toujours tendance à incliner un peu le joystick. Hop. Ah, mais ça, c'est une mécanique assez cool, quand même, je trouve. Donc ça permet de faire des niveaux très intéressants. Est-ce que j'ai les autocollants qu'il faut? Je ne crois pas. Parce que normalement, ils les mettent en premier. Hein. Parce que s'il faut s'amuser à tout chercher, on en a pour 15 ans. Là. Non, non, je crois que je les ai pas. Allez, on trace. Là-haut. Non. Je n'y ai pas accès. Toi, on va te tuer. Voilà. Hop. Ouh là là, ça devient risqué, hein, avec les pics. Nickel, on va essayer de finir le niveau sans crever. Hein. Ce serait pas mal. Une nouvelle matière. Ok. Non, là, y'a rien. Hop. Tac. Bah, ce que je vais faire après avoir fini ce niveau, je vais essayer de ressortir et de relancer en coop. Faut voir ce que ça donne. Ouh, faut pas se foirer. Et si, ça passe. C'est quand même assez tendu. Hein. Hop, avant de se faire écraser, bouge ton cul, sac boy. Hop, voilà. Tac, là où il n'y a rien, ok. Attendez, ouh, oui, oulala, pas de bêtises. Ok, nickel. Oh, je vais pas risquer, voilà. Je suis bien parti, je vais pas risquer de crever pour une bulle. Hop, je préfère me concentrer sur le fait de ne pas perdre de vie. On récupérera les autres bulles plus tard, si nécessaire. Bouge! Oh putain! Non! J'ai échoué. Bon bah tant pis. Oh. Ah bah du coup... Ouh putain, ouais, non mais là je suis parti trop loin! Bon, on va arrêter de prendre des risques. Hop, parce que les vies sont limitées, hein. C'est pas un rond infini.
Donc il y a un risque de game over quand même. Dépêche-toi. Ouh. D'accord. Pile poil. On va essayer de tuer l'araignée au passage. Ou pas. Hop. Tant pis. Ensuite. Ah d'accord, je croyais que ça revenait, mais non. Ça part à l'infini. Ok. Tac. Non, mais il a pas sauté comme je veux. Il s'est bloqué dans le décor, cette grosse patate là. Sick boy. Oh, hein, c'est pas possible. Allez, on retente. Voilà, merci. Attendez, on attend le prochain, on se précipite pas. Y'a pas besoin, on a le temps. Hein. Putain, il saute bizarrement hein, là-dessus. Hein. Hop. Ok, c'est bon. On a rattrapé le tir. Hop. Hop. Oh, des pics sur le mur comme ça qui me touchent. Non mais sérieux. Oh là là. Je les avais presque pas vus en fait. Crotte, hein. Ça m'énerve. Voilà, Sackboy il est tout triste pour la peine. Mais saute. Ouh, grosse patate. Allez. Hop. Hop. Bon, arrête de pleurer, c'est bon. Voilà. Ok, c'est là qu'il faut faire gaffe à pas toucher le mur. Mais non, mais... Putain, je frôle le pic par le dessous et ça me tue. Mais ils sont sérieux? C'est n'importe quoi, hein. Putain, je caresse le pic dans le sens qui pique pas, c'est débile. Donc juste le fait de toucher un morceau de ferraille, ça le tue, en fait. Ça a pas besoin d'être pointu. Puis j'arrête pas de perdre toutes mes vies. Hop, c'est bon, on a réussi, enfin. Punaise. Attendez, attendez. Oh, on se précipite pas. On attend que ça arrive pile poil comme il faut. Toc. Oulala, mais ils ont mis des pics partout. On s'en fout de la bulle. On s'en fout pas. On a activé un truc. Allez, on tente. Hop. Hop. Et hop là, voilà. Nickel. L'araignée. Hop. Nickel aussi. Il y a un truc en bas? Ouais, on dirait qu'il y a un truc. Mais attends, comment tu veux passer ça? Ah, mais non, faut l'oiseau, ça. Tu peux pas planer comme ça, non, non. C'est pas possible. Ou alors, il y a un autocollant activé, quelque chose, mais je sais pas. Tac. Ok. Nouvelle déco. Ah, faut être deux. Ah, laissez-moi passer. Non. Hop. What? Ah, il y a un truc en dessous. Comment je fais? On peut pas pousser vers le bas? Non, ça marche pas. Bon, bah, je sais pas, il y a un mécanisme là quelque part, mais. C'est peut-être. Je sais pas. C'est peut-être pour ça qu'il faut être deux, ça rejoint de ce côté après le mécanisme. Je n'en sais rien. Merde, je me suis foiré. Voilà. On sort par où? Ouh là là, voilà, doucement. Hein. Une gare au pic. Nya, punaise. Crotte. Hein. On va y arriver. On va y arriver. Mais ça devient tendu de faire du sans faute. Hein. Enfin, en tout cas, du premier coup, quoi. Oh, à chaque fois, je me cogne la tête. Et ils nous remettent là, ils auraient pas pu mettre un cercle de l'autre côté déjà, pour aller plus vite. Là, ils auraient dû mettre le cercle ici, là, pour réapparaître. Pourquoi nous obliger à nous retaper les deux premiers sauts, là, qui servent à rien. C'est ridicule. Oh putain. Ouh, les blagueurs. Hop là, voilà. C'est bon, c'est passé. Alors. Faut s'agripper. Sonner les cloches. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien du tout. Ah, fallait relâcher. En fait, je suis en train de me dire que j'ai l'impression que personne ne joue en multi, en fait. Hein. Parce que personne ne tente de me rejoindre, c'est un peu bizarre.
De toute façon, oui, vu comme c'est buggé, les gens n'ont pas envie de jouer en multi, hein. C'est tout à fait normal. Ok, bah c'est reparti. Oui, on sort les boots. Les boots. Quoi? Je suis mort là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, non, mais je suis en arrière-plan. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Tu en veux encore? La bille ne t'a donc pas suffi? Hop, alors je pense que je vais m'arrêter par contre. Parce que cette semaine, je suis un petit peu occupé, donc j'ai pas trop le temps de faire des grandes vidéos comme d'habitude. Ah mince, j'ai loupé des trucs. Donc je vais pas enchaîner avec un autre monde. D'accord, à quoi ça a servi, je ne sais pas. Hop. Bah comment j'y vais là-haut, là? Je peux pas passer derrière. Ah bah si, par là. Hop. Voilà, on va juste explorer un petit peu le monde principal. Oh! Vas-y, passe par là. Voilà. Ouh, il y en a encore. Non, mais il m'envoie pas en l'air. J'ai pas tout ramassé, il m'envoie en l'air, le vilain. Ah, il y a peut-être moyen de mettre un coup de boost vers le bas pour rester. Ouais, c'est ça. Et du coup, en dessous, il y a un truc ou pas? À part une mort? D'accord, non. Ah si, mince! J'aurais pu me rattraper sur les filets, oh. Bon, c'est pas grave. Quoi? Hey! Là, c'est un bug, hein. Pourquoi je suis passé à travers la matière? Ouais. Je risque de me fâcher. Calme-toi là, madame. Alors attendez, faut ressortir le truc. C'était quoi? C'était ça? Non, c'est pas ça. Ah, c'était ça. Voilà. Ah, attendez, il y avait un truc au milieu. What? J'ai pas rêvé, hein, il y avait un truc au milieu. Ah merde, ah si, je croyais qu'on n'y avait pas accès finalement, mais si. Ah mais le truc au milieu, c'est par où on est arrivé, oh là là. Une bille toute seule, ça ne te servira à rien. Ah mince, c'est pas le chemin d'accès. Chut, calme-toi madame. Y'a pas moyen de booster vers le bas là? Non. Pour trouver cette bille, tu devras explorer les entrailles visqueuses d'une belle... Hop, attendez. Des niveaux bonus, on verra ça la prochaine fois. Y a pas une boutique? Oh, je suis obligé de retourner dans le monde 1 pour accéder à la boutique. Et comment je fais pour récupérer les... Ah, bah voilà. Merci, Sackboy. J'ai besoin d'un coup de main pour prendre de la hauteur et jouer parmi les oiseaux. Quoi? Ça signifie que ce satané Newton a volé mon inspiration et que mon aérojouteur est en piège. Aide-moi à remporter la grande joute aérienne de Boomcom et je te donnerai une super armure, d'accord? Ok, c'est pour récupérer un costume, on verra ça la prochaine fois. Là, je récupère juste les billes qu'il y a sur place. Tac, 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 vers le bas. Tac. Attendez, on va pas redescendre tout de suite, on va aller voir ce qu'on a par ici plutôt. What? Qu'est-ce qu'on a ici, là? Ouais. Ah, faut être deux, là, non? Ou alors, fallait pousser la bille de l'autre côté, là? Bon, tant pis. Là, ça n'a pas l'air d'être activé. Si, attendez, oulala, on va voir là-haut d'abord. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de boutique, hein. Bon, ce qu'on va faire, on va retourner voir la boutique pour m'acheter une nouvelle tenue. Hey! Je tombe! Ah d'accord. Bon. Attendez, je suis pas allé voir par ici. Est-ce qu'il y a des choses sur le tapis roulant? Non, pas du tout. Ok. On va retourner au pod. Comment on fait? Comment on retourne au pod? Par là, retourner à la carte. Ok. Je vais aller voir les tenues, j'ai débloqué pas mal de sous, on va appeler ça des sous.
Ok, donc la prochaine fois, j'essaierai de lancer en coop, voir si ça fonctionne. Au moins, j'ai sauvegardé le monde. Il devrait pas disparaître à nouveau. Hop, aventure. Donc c'était dans le livre 1 ou dans le prologue, je sais même plus. J'espère qu'il est accessible directement aussi, qu'on n'est pas obligé de repasser par le monde principal. Où est la boutique ? La boutique, où es-tu ? Je me rappelle plus. Ça c'est quoi les trucs inaccessibles, je peux même pas regarder. Ou alors c'était dans le prologue. Dans le prologue, il n'y avait pas de magasin. Non, je crois que c'est le livre 1. Hein. Ouais, c'est qu'on n'y a pas accès directement, quoi. Oh là là, faut retourner dans le monde principal. Du livre 1, c'est très mal foutu. Alors dans mes souvenirs, c'était sur la gauche, je crois. Ok, alors... on va sortir les bottes, c'est quand même assez pratique. Où est le magasin exactement ? 142. Ah mais j'étais même pas venu ici là. Tu lambines un peu, vieille chaussette. Bouge ta laine et viens par ici. Ouais, donc il y a une nouvelle tenue ici en fait. T'as dormi trop longtemps. Si tu comptes sauver Bunkum, il va falloir faire de l'exercice. Entre que je te mette à l'épreuve. Oh, on va essayer vite fait, ça doit pas être très long. Jamais tu sauveras Bunkum. J'ai l'impression que t'as perdu ton feu sacré. Prouve-moi le contraire en touchant les bornes avant la fin du temps imparti. Sinon, c'est direct au vestiaire. En touchant les bornes ? Quoi ? Qu'est-ce qu'elle me dit, la madame, là ? Ah, d'accord. Ok. Bon, pour l'instant, c'est pas compliqué. Ça va sûrement devenir un peu plus complexe par la suite. Hop, hop, hop là. What ? Ah! Voilà, nickel. Donc en effet, ça devient un petit peu plus compliqué. Surtout qu'il y a une espèce de timer, donc faut se dépêcher de tout activer à la fois. Attendez, on va plutôt partir par là. Nickel. Encore? Oulala, et oh! Pas une machine. Ah, j'aurais peut-être dû repartir de l'autre côté plutôt. Ok. Encore ? Nina, je vais pas y arriver. What ? Non, mais là, je comprends pas là. Oh. Non. Ah, mais non, fallait que je fasse. Oh. Bah, attendez, bah, du coup, on va finir quand même. Mais voilà, qu'est-ce que je suis bête, moi. Ah, c'était même pas le dernier, oh là là. Mais allez, mais... Quoi ? Pourquoi il a arrêté de monter sur le mur, là, cette grosse patate ? Ah, mais j'ai pris le truc dans le mauvais sens. Hop, voilà. Eh, mais c'est super tendu, leur truc, pour finir dans les temps, là. Ah, pourquoi t'es tombé ? Mais non, mais... Il est pas censé grimper au mur, lui, là ? Bah ben voilà. Hop, saute. Pourquoi t'as pas sauté comme ça ? Oh là là, mais il y en a trop. C'est impossible leur truc là. Même si les bulles arrêtent le timer. Ah, ça doit être le dernier vu qu'il y a une récompense. Non, c'était de l'autre côté, je pense qu'il fallait aller ou pas. Non, c'est bon. Écoulez, c'est reparti mon kiki. Ah bah, c'est tendu hein, leur truc hein. Donc du coup, j'ai pas le droit à la tenue. Bon, au pire, je retesterai tout seul de mon côté. Allez, c'est bon, on enchaîne. On enchaîne. Goudron. Temps écoulé. C'est reparti, mon... Ah, d'accord, un seul objet. Allez.
Je suis 32 371e. Ouh là là. Ok, bon, le magasin. Où t'es planqué ? Ces vieilleries ne feront jamais l'affaire ! Rafraîchis vite ta garde-robe chez Zoom Zoom ! Oui, non, mais alors du coup, avec lui, comment je fais là ? Il peut pas escalader. Comment je fais pour changer de perso ? On peut pas le faire avec le. Le pop-it. Faut retourner, je crois, au début. C'est de l'autre côté. Comment je vais derrière ? Oh ! Ah, par ici. Je t'ai enseigné tout ce que je savais sur le métier d'acteur. Maintenant, voilà. On va trouver Toggle au Ziggurat. On compte sur toi, Coco. Mais c'est déjà fait. Bon, du coup, on retourne de l'autre côté. Oh là là. Ah, mais d'où tu tombes, toi ? Sackboy. Ok. Eh ben, c'était là. Oui, on va voir ce qu'il nous propose en tenue. Entre, entre, je t'en prie. Ici, tout est à vous. Appuie sur la touche triangle pour acheter. Alors, est-ce qu'il y a des costumes plutôt cool ? Ah, mais ça coûte que 5, mais je crois que je vais me remplir les poches, là, dis donc. J'en ai déjà plein. Vous savez quoi, on va plus ou moins tout acheter. Hein. Encore 3 achats dans ma boutique, et tu rentreras chez toi avec tes zoom zoom, tes collectes plus que... Oui, oui, j'arrête pas de couper, il parle trop le monsieur. À toi, pour toujours. Effectue un dernier achat pour recevoir un cadeau gratuit, exclusif. Alors vas-y, c'est quoi le cadeau ? Oh, donne-moi ton cadeau ! Non, d'accord. Ou alors je l'ai obtenu avec le reste, j'ai pas bien vu. Allez, fais péter. Grâce à ton sens frivole de l'achat, tu remportes ah, ce d'accord. Cadeau extraordinaire ! Il y avait encore un achat. Les plus sombres recoins de Vulcan. What ? Qu'est-ce qui se passe ? Je te présente l'Illuminateur ! Voilà ! Prends-le, n'hésite pas ! Ouais. Et équipe-toi. Oui, c'est ça ! Fabule ! D'accord. Pointe l'Illuminateur en utilisant le joystick droit. Fais briller l'Illuminateur avec la touche R1. Ah, mais c'est sympa, ça. Hop, hop, hop. Parce qu'il y en a qui aimaient bien faire des... genres de... survival horror. Donc avec une lampe comme ça. Au niveau de l'ambiance. Regarde comment la lumière fait ressortir les éléments masqués. Spectaculaire, non ? Ok, bah c'est cool. Cool, cool, cool. Alors, attendez, on va continuer, hein, du coup. Plateforme de vente pour faire du lèche-vitrine. What ? C'est quoi ça ? Ah, il est mignon. Bon, ça commence à être un peu cher, donc on va peut-être pas tout acheter à partir de maintenant. On va peut-être regarder un peu mieux. Donc j'avais déjà pris le chien. Ah, mais il y a pas tout. Bah, je pense qu'il y a d'autres boutiques. Hein. C'est que je les ai pas trouvées. Hein. J'aimais bien celui où il est en serveuse là avec la glace. Je trouve ça sympa. Allez, on prend. Quoi, j'ai plus de sous ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas triangle pour acheter ? Des vêtements fabuleux, pardi ! Alors, ou c'est bugué, ou ça marche plus. Ou j'ai pas de sous. Qu'est-ce qui se passe ? Je peux voir mon stock ou pas ? Bon, d'accord. J'ai l'impression que c'était bugué, surtout. Bon, bah je vais vous laisser là. Donc je vous dis ben merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la suite. Salut !